Salut à toutes et à tous, c'est Double Chris et on se retrouve pour maintenant la tentative nucléaire de victoire. Bon, je pense qu'on peut changer, on va mettre Nick à la place de Moabé. Non, on met le titre qu'on a actuellement. Ouais, j'avoue. Allez. Et j'ai été faire une petite recherche sur YouTube, Ouais, peut-être vite que je fait. me Hein. suis trompé. Vite Une fait. petite recherche vite fait en moins de 5 minutes et j'ai remarqué qu'il n'y a personne qui a fait de mob de victoire. Tout le monde fait des mobs avec des armes, avec toutes les armes du jeu, avec... Ouais, c'est vrai qu'on a. Enfin, il a pas trouvé de Moab de victoire. En tout cas, peut-être filmé, si ça se trouve, il y en a déjà qui ont fait 25 victoires d'affilée, ça j'en doute pas. Ah oui, ça c'est En sûr, mais... confrontation filmée, bon, sur. En confrontation sûrement filmée, en tout cas, on n'a pas trouvé. Donc bon, en tout cas, enfin. Bon, je veux pas dire qu'on est les premiers, hein. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait, mais. Ouais, enfin, en tout cas, pour nous, c'est vachement génial. Donc du coup, maintenant, on va essayer d'en faire 5 de plus pour réussir la nucléaire de victoire. En référence à Black Ops 2. Moi, Donc perso, là, je regarde dans tous mes amis, mais je suis au-dessus de tous, mis à part ceux qui ont boosté, genre 86 victoires d'affilée et 97. ouais voilà ça Donc, c'est pas ceux-là, je possible sais qu'ils ont boosté. Bah, non, si, c'est possible. Ceux bah... que je sais qu'ils ont boosté, parce que bah, je les connais, quoi. Et après, il y a peut-être Extazine qui a fait 29, mais bon, avec un ratio de 0,68, avec du 5 kills par minute. bon c'est possible un de ces s'il jouait C'est. beaucoup il jouait beaucoup en confrontation lui aussi. Ouais, voilà, avec sa team de sniper peut-être. Donc au pire, on va dire qu'il l'a réalisé, ça c'est amplement possible. Enfin, par contre, c'est manger pas mal de défaites. Mais on va dire qu'il l'a réalisé et qu'on va tenter de le battre en faisant 30. 30 du coup. La nucléaire. Donc nous on continue là, on est juste après qu'on ait fini le truc, on vient juste de filmer l'outro. Et donc bah vas-y, tu peux lancer normalement les 40 premières minutes de cette deuxième partie de la confrontation 2 du coup sont Oh consacrées. putain. Non, je pense pas si jamais. Je ne pense pas. Au passage, si on rejoint quelqu'un et qu'on a directement perdu, ça ne compte pas. Genre là, par exemple, je vois bien le truc qu'on a perdu à cause du temps, ça ne compte pas, bien évidemment. Ou Enfin, si on a d'ailleurs, perdu une et qu'on a partie 5 déjà, à 10 à mon avis, une dur. partie déjà commencée, vaut mieux la Bah racheter, oui. mais ça sert à rien. Bah Ouais, voilà. voilà. Vous avez Voilà, perdu. Oh, bah voilà, on a perdu. Non, non, mais ça compte pas, par exemple. Sinon, c'est un peu bâtard. Ouais, Donc. mais est-ce que ça compte par contre pour les... Tous les rachites? Oui. Oui, Non, mais bah. ça, est-ce que ça compte pour les défaites? Ah! Je ne Et crois regarde, pas. son nom de clan, il y a marqué moi, leur nom de clan, il veut ses produits moi, bon. Non, on l'a déjà faite la Moab, là on tente la nuque. La Oui, moi, nucléaire de. c'est LW. Ouais, c'est moi. Sacrément. Sacré nom, effectivement, mais je ne joue pas au Oui, sniper, la donc preuve, je ne l'ai pas dans c'est mes classes. Enfin, je ne joue pas. Je ne jouerai pas. Ah. C'est pas du tout une MOAB. Les gens vont croire qu'on tente la MOAB, ils vont essayer de nous péter en fait, tu vois. Ouais, mais en fait, je pense qu'on va peut-être retirer le Ouais, nom. je pense qu'on va vite faire tirer le nom. Bref. Parce que ça va leur tenter de jouer avec des armes chimiques. Ouais, je pense aussi, oui. On va enlever. Mais c'est clair que par contre, après, on mettra toujours NUKE en tête de clan si on réussit la nuque. Là après, je sais pas qu'est-ce qu'il y a au-dessus du nucléaire. Invincible. Invincible. Invincible, pour vous dire, c'est chaque partie qu'on réussit, enfin, dans Ça Black Ops 2, fera un c'est... invincible. On, à Voilà. la fin, tu sais, en tête de clan, on mettra fois et tout le nombre de fois que Non, I mais. N fois. C'est, Ah bah, de merde, toute c'est façon, c'est beaucoup. Chris qui a le compte, donc il y a que lui qui pour l'instant le sait. Ouais, mais il faudrait que je vérifie si le coup qu'on est rejoint et que... C'est pas... J'ai une légère envie d'uriner. C'est dégueulasse. Donc là, Ah faut qu'on non. prenne le point le plus vite possible parce que quelquefois, justement, prendre le point peut-être une seconde avant les autres, ça nous fait gagner, bah... Vas-y, je m'installe bien. On est bon là. On garde la même technique de toute façon. Je sais pas si vous avez compris un peu notre technique. On prend ces Non. A, on les défend à fond. Moi j'aurais peut-être. J'ai, tu vas voir, tu vas voir. En fait notre technique en désignation maintenant, on va peut-être expliquer un peu les techniques qu'on a réalisées, puisque bon. En fait on a vraiment des techniques et. Là en fait la technique en domination sur érosion c'est clairement de prendre le point A et C, ils sont vraiment juste à côté donc très facile à défendre. On les prend, on les laisse prendre B et logiquement avec une défense et une bonne petite coordination d'équipe, normalement ça passe assez crème la domination. Donc voilà. Ok, ça fonce vers. Okay, attends. Oh merde j'avais pas vu au-dessus. Fais gaffe il arrive du coup sur A. Donc moi j'ai regardé le même killstreak, hein, le drone et
Wow, oh. Derrière toi. J'ai eu. Au fond. J'ai eu. Moi je, personnellement j'ai gardé le même kill streak, le drone et les vestes balistiques. Toi t'as quoi en kill streak pour les dire hein? J'ai drone, prédateur et hélico. Ah c'est bien ce que je pensais. Donc voilà, c'est les kill streak de base, lui qui est en assaut. On cherche pas non plus à mettre des trop kill streak étant donné que voilà, faut le savoir. Si si, à un moment j'avais mis des gros kill streak contre ouais, des joueurs qui étaient pas trop forts. J'avais mis drone, H6 et... Ah non, non, prédateur, H6, PV. J'avais mis aucun drone. Ouais mais... Ça sert à rien étant donné que là on joue surtout pour gagner. Donc voilà, nous on cherche clairement, à gagner, donc ça nous aide plus quand même d'avoir ça pour gagner. Alors par contre c'est sûr qu'il faut surtout pas jouer sans ratio. Enfin mis à part en MLB. Mais sinon faut surtout pas jouer le ratio parce que ça va faire perdre des points. Ouais, essayez pas de camper. De toute façon, à mon avis ce qu'il faut c'est essayer d'être le plus détendu possible, donc c'est-à-dire tout ce que je n'ai pas fait durant les 25 premières victoires, enfin en tout cas dans les dernières des 25 victoires là. J'étais assez stressé et tout, enfin en même temps, pas normal. Hein. Mais voilà, faut vraiment essayer de... J'ai drone. Bah vas-y, hein, fais ta place. Hein. Putain, chaque fois que j'appuie sur le bouton, il a besoin d'envoyer, il est mauvais. C'est bon, là, on a tourné la haute trotte un peu plus. Plein de pisser dessus. Non voilà, vraiment faut, à mon avis, faut vraiment déjà d'une avoir un partenaire si vous voulez essayer de faire un truc comme nous. Hein. Faut essayer d'avoir un partenaire avec qui vous entendez, mais vachement bien, parce que sinon c'est clair que ça peut pas marcher. Par contre, voyez... d'ailleurs, je viens d'ajouter en ami, là, il vient de m'ajouter les joueurs fair play qu'on a rencontrés. Ah? Ah oui, c'est... Oh putain, ça date. C'était hier. Oui, techniquement, oui, c'est hier. Celui-là, il est minuit et quelques, du coup. Non, bah c'était avant-hier. Ah oui, c'était l'épisode 1. Ah oui, 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 c'était l'épisode 1. Ouais, mais il y a un du prédateur, dommage. Il est où? Il est descendu par les escaliers. Putain, je trouvais plus le gars. Ouf, GG. C'est pas 12. Coup de pompe. Un coup de pompe. Coup de pompe à gauche. Non, coup de pompe, coup de pompe ouais. À droite. Ouais. Non, vous voyez, nous, par exemple, durant tout le truc, on s'est pas une fois engueulé, vous voyez... Enfin, bah, on est potes depuis des années, on joue depuis des années ensemble, c'est la meilleure combinaison. Voilà. Oula, je me suis mangé un coup de couteau. Après voilà, c'est clair qu'il faut être... faut avoir confiance en partenaire déjà, et puis... faut jouer l'objectif. Moi je suis pas du tout un joueur objectif, mais je me démerde à fond pour jouer l'objectif. Bah moi je suis un joueur pur objectif, donc... Ouais, donc toi t'as l'habitude. Moi, légèrement moins. Et aussi être méthodique dans les choix. Voilà, les deux. Et être méthodique aussi dans les choix que vous faites en équipe. Voilà. Je veux dire, la confrontation, c'est clairement un jeu d'équipe. Faut que vous et votre partenaire, vous ayez une petite technique au moins. Bon, à part sur le C, la MME, c'est un peu... Il y a quand même des mouvements à... En gros, faut pas tout le temps foncer dans le tas. Tu vois que on a été plusieurs fois en mode... On est dans la merde. Et bah, on n'a pas foncé dans le tas quand on s'est mis un peu en retrait. Ah voilà, faut vite prendre des initiatives, en fait. Faut pas essayer de persister sur un truc qui marche pas. Je veux dire, vous avez tous les deux une classe, par exemple sniper, en face si je joue sniper, vous voyez, vous y arrivez pas trop. Allez, c'est bon, ouais. Si vous voulez essayer de faire ça, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, bon, le fair play, c'est bien beau, mais... Bon, bah, sortez une arme, voilà, après, moi, personnellement, j'ai souvent sorti la CR, la MP7. Bon, vous n'êtes pas obligé de sortir les mêmes armes que moi, étant donné que celles-là, bon, elles sont simples d'utilisation, je le reconnais, ok, mais voilà. Après, on n'a pas non plus... Enfin, je pense que le fait qu'on gagne tout le temps, du coup... Heroes MRD? Ouais. Ok. Donc là, attends, je vais regarder dans le classement, victoire. Mmh. Je suis à 26. 26, donc moi 27, du coup j'ai un de plus. Oui. Donc ça compte toujours parfaitement. Donc bien évidemment, si on réussit la nucléaire, alors là, bah... Bon, un peu moins satisfait quand même que la MOAB, parce que bon, on a fait plus gros du travail, quoi, il reste quoi. 15%. Ouais, mais c'est quand même putain de quelque chose de beau quoi. Mais c'est vraiment quelque chose. Ah putain, on s'y attendait pas de faire ça quoi, tiens. Mais en fait nous, si vous avez remarqué, bah pas vu qu'en fait on a eu un petit problème technique avec les voix qu'on pouvait parler comme, mais en gros c'est quand même une chaîne qui est, je sais pas comment on pourrait dire. On est tout le temps deux quoi dessus. On est, c'est pas un ouais, youtubeur, c'est une chaîne un peu en coopération.
Alors effectivement c'est toujours moi donc Striker qui filme, hein. Si vous ne connaissez pas les voix, la mienne, celle qui est un peu moins nette c'est celle de Striker et la plus nette c'est celle de Chris. Voilà, c'est R&D Érosion. On tente? On n'a pas le choix. Bah oui, non mais ok, on a le Rachid. Tant qu'on n'est pas en partie, ça va. Par contre, moi je sortirai avec l'arme. Oui, moi aussi, ACR, je pense. Je préfère pour la nuque. Hein. Ouais, Ou pareil. non, 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 je sors le sniper au début. Ah non, mais Juste la personne, première manche. Je risque la première manche. moi je peux pas, je sors l'ACR. Hein. Il faut savoir que là on filme depuis du coup deux ou trois épisodes là, tout à la suite, hein. On fait pas de pause, on vous fait pas Ouais, voir. j'avoue, je commence à avoir mal à la nuque. Sans jeu de mots. Là Mais je te promets, c'est pas un jeu de mots. J'ai là. réellement mal à la nuque. Bah, le casque, c'est lourd, quoi. Ça paraît pas, mais... Moi Comme tu il est l'as plus lourd que quelques heures... toi, mais. Bah, toi, t'en as deux. Non mais j'en ai un autour du cou et un sur la tête. Ah, bah attends, la maison qu'on avait dit. Hein. Ouais, bah là dans la outro de la confrontation numéro 2, normalement si je mets bien tout, hein, là vous verrez cette fameuse maison. Bon, elle nous sert pas mal en même temps en recherche et destruction, j'ai envie de dire, ça paraît normal, c'est un bon. Ah, regarde-toi. Middle, 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 middle. T'inquiète, ça passe, 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 crème. Derrière-toi. Oh shit. Oh mon dieu, le sauvetage. Ok, ils sont mid, bah pas du tout. Pas vraiment mis, non. Là, 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 là. GG. Ah putain. Fuck you, bitch. Bon, Je manche le une tue, gagnée. c'est le mec. Le mec fait du beatbox. Tu me diras, il s'appelle... ah ben, Beatsbox en face. Tu me diras, Box Beat. Ah bon. J'ai pas vu. Je vais faire le beatbox de 4 rounds. Bon, putain. Wap, 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 wap. C'est le nouveau morceau de dubstep. On repose sur A? Non, il campe. Il campe allongé sur A, en gros, parce que dans la petite maison où t'es le campeur, MSR. Vas-y, avance et direct à droite. Direct à droite dans la Ah, maison. je vois, j'ai posé radar. Ah. Tu es. Pour être sûr. Ah, Là, j'ai vu dans la oui, maison. j'ai vu en face, mais attends. Merci tireur d'élite. Ah, il est descendu. Merci tireur d'élite encore une fois. Et fais gaffe, il va faire un glitch. Donc pour ceux qui savent pas, le head glitch, c'est un moyen pour se protéger. C'est de se mettre un endroit où seulement la tête est possible à atteindre. Il est là. Oh merde. Attends, en même temps, avec mon coucou à la con, lui. Et... Ah d'accord, ok. Hein? Il Oui, il est content. est con. Surtout. Plus con, je suis content. Mais... du coup, on fait ça comment? Bah moi, je vais tenter mon ancienne façon de rusher. Moi aussi. Il m'a vu. Oh non, il m'a eu. Dans le caca. Toujours au sniper. Il est. Fais gaffe en plus c'est un 5-7 couteau tactique en secondaire. Là, là, tu l'as vu, tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. C'est Slender. Il y en a un autre ici. Putain, c'est Slender. Ne retournez pas. Il est con là. Sors une arme, sors une arme, sors une arme. Prends pas de risque. Non mais en plus t'as vu le mec. Ils sont en train de m'entourer. 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 Mais ils ont quoi avec leur coup de manger? J'ai tout tiré cloche. J'aime trop le rôle du couteau. Ouais, j'aime bien moi aussi. Recherche et destruction. Moi j'aime bien la MP7. Ouais, moi aussi. Ouais, même si moi je vais la faire personnellement. Peut-être qu'en défense on aura plus de chance. Merde, ils savent que je rush. On a un qui est par là. Dis-moi pas que tu meurs. Dans ta gueule. Maintenant il manque plus qu'à te Non putain. Il est où? En bas, dans l'arrêt. Là. Tiens, putain, merci mon radar portatif. Il qui t'a tué là. Il joue MP7, il me saoule. Ça c'est un ACR. Je fais ce que je veux. Non, mais moi. Allez. Mais ils sont ACR moi. Ah, il prend non, l'ACR moi, aussi. Ah, l'autre il reste le sniper.
C'est bien de les avoir mutes en fait. Hein. Donc voilà, il y a l'avantage de ne pas muter les personnes en face, parce que quelquefois ils sont cons, et ils savent pas qu'on les entend. Oh non. Oh putain, il m'a... Ah mais putain, il m'a tiré. L'autre, il a mis un système trophy dans la maison des campeurs. Hein. Là, là, tu l'as vu. Il a monté les escaliers. Non. Non, non, mais pas ceux-là, mais ceux d'en face, tu vois. Fais gaffe, hein. Là, derrière toi, non. Non. T'as de me faire par un nous, là. Ok, ok, j'arrête. Là, t'as pas vu au milieu? Là. Si. Ah mais t'as vu. Dites-le. GG. L'autre, il est vers la galerie des campeurs. Là. C'est la CR, faites exprès. Oh, c'est bon. Déjà, il a viré son C4. Ça, c'est déjà ça. Par contre, s'il joue... C'est stressant. Oh putain, faut jamais prendre ces escaliers là que j'allais. Yes. Ah vas-y. Attends mec, je m'amuse à faire des trichettes et tout, mais bon. Moi. Et là je vois en rage qui peut même pas désamorcer. Ça fait artifice. Non non, vite. Désamorce. Perds pas de temps, ouais, perds pas de temps. J'attends les 5 secondes, je Bon, on est à 2-2. Non, 3-2 du coup. Bon, on a une manche d'avance, mais on a aucun kill streak. Si, si. T'as un drone? Ok. Ouais, j'ai fait la double et le kill. Donc tout le temps avoir un drone, bien sûr, en armée. Voilà. Oh putain, il m'a ajusté. Titanic. Oh le beau... Oh le beau gosse là qui vient de... C'est quoi le truc qui vient de péter là? Au fond. Oh GG. Voilà. Oh, là on a vraiment eu de la chance sur cette partie. Pour un moment j'y croyais plus. Hein. Merci tireur d'élite. Et heureusement que lui... Bah merci tireur d'élite quoi. Bah, ce qu'on appelle une bonne vue et tireur d'élite. C'est ce qui s'appelle. On a joué 3 heures d'affilée, je suis crevé. Franchement, je suis vraiment crevé là. Ah, moi je commence aussi. Hein. Non, mais là, de toute façon, dès qu'on a fait la nuque, moi j'arrête. Perso. On prend demain. Au chat. Deuxième morceau anti-terroriste, livreur de bombes. C'est vrai, j'ai pas trop de titres. Le mec il m'a dit pauvre chat. Ouais. Ah, je l'ai niveau 30, mon barrette. Ah, si, heureusement, ça va être bon ça. Donc, je regarde le classement, victoire, et nous sommes maintenant à 27. 37. 27. 37, bon, le gars, ça va. easy. Après les 30, ah. Oula. Gouette. Pas le grand, les gens, pas le grand. Gouette, ça mélange entre Gotaga et la côte. Côte, ancienne team de... Mais c'est des grands youtubeurs. Voilà. Tu peux le dire, on s'en fout. La Go. Il y en a qui connaissent peut-être pas. Hein. La Go Atalia. Go Atalia. Go Ata. Chambre. Bah j'y suis déjà. Pas moi. Par contre, désolé, mais on fera jamais la tentative nuque à 3 contre 3. Hein. Ou à 2 non plus. Oui, parce que en fait, on va... juste Sniper là pour leur faire croire. Juste le début, c'est un EC, tu peux risquer un jeton. Un jeton. Ouais, c'est des jetons justement. Non, mais c'est ticket sur Battlefield, donc moi j'appelle ça des jetons. J'appelle ça des médailles. Ah non, ça joue pas Sniper, mais je l'ai vu. Ça joue quoi? Je sais pas, j'ai pas pu voir, mais en tout cas, il y a un lance-patate. J'ai sorti la MP. Ah oui, ok. M81 lance grenade. Tu te plaises. Oh merci, tu m'as sauvé. On l'a pas, Knidol. Derrière moi. Ah merde, mais... J'arrive. Okay. Tu vas pas prendre la plaque, toi.
C'est moi qui vais prendre la plaque. Qui vais récupérer la plaque de... Oh putain, non, c'est patate. Ça fait mal. Ils ont les deux. Oh merde, ils m'ont oublié. Ah non, il a été. Fais gaffe, il y a l'autre. Il se déplace deux par deux. Hein. Donc il faut qu'on reste deux par deux, lui aussi. Là-bas, j'ai vu... Putain, mais il est chiant. Oh non, mais l'autre, il a respawn, j'avais pas vu. À mon avis, putain. À mon avis, il joue insertion. Hein. Attends, j'arrive. GG. Vous en donne. Ouais. Je sais pas où il est, l'autre. Là. Là. GG. Donc en fait moi j'ai la classe qui est selon moi l'arme la plus abusée. Enfin pas la classe la plus abusée, mais j'aurais pris FMG9 avec Limbo. Ok, lance patate. Tiens, cadeau par contre. Élimination confirmée. Oh putain, il m'a allumé vite. Joli. T'as récupéré les deux plaques? Ouais. Parfait. 9-5, on a une petite avance mais rien n'est gagné. Ouais, rien n'est gagné pour l'instant. Là vraiment la nuit c'est vraiment plus pour le fun, on se détend un peu plus sur la MOAB quand même. Sur... La MOAB était légèrement plus... Attends, 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 attends. Voilà, petit campeur dans l'angle. Fais gaffe, il est... LG. Voilà, je l'ai eu. GG. Dans la maison. Ça joue en seconde chance hein, avec l'un de grenade. Okay. Il y a radar portatif, c'est tout. Voilà. Oui, en fait, là, je lui fais un peu comme Cyprien. Le mec, il respire deux secondes, et ça va. Ils jouent tous les deux avec un hein, patate. Ils sont passés par en dessous, je crois. Maintenant, ils ont un assassin. Non, 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 non. Putain, j'ai perdu le préda à cause d'une seconde chance. Il y a un mec en seconde chance. Oh, j'avais même pas vu. Oh non, je l'avais même pas vu. Je suis vraiment dead. Il vient de récupérer une médaille, t'es sérieux? C'est quoi ce truc abusé? J'ai un peu de chance. Hein. Non mais t'es pas sérieux, il est dans un angle avec des scorpions et Gameau. Bah va pas middle hein. Ça sert à rien. Là, sur le côté. Non, j'ai des vestes du coup. Vas-y, fais-toi plaisir, voilà. On se fait plaisir, on se met à l'aise, comme ça, tranquille, pépère, pour pas avoir froid. Y'a un mec? Non? Non, non, désolé, excuse-moi. Les bras, pas du tout. Y'a personne. Ah, mon pète est... L'autre mot zizi, oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Manqué, manqué. Vous l'avez tout manqué. GG. Oh ils sont... Y'en a un... Ah. Mon radar il y en a vu un. Moi ça me dérange pas, ils ont changé de tactique, ils se séparent maintenant. Moi ça me dérange pas trop non plus. Hein. Techniquement c'est plus simple pour nous. Allez, t'es peut-être en seconde chance mais je te loupe quand même. Ah lui il a MP7 en dehors. Moi je suis pas à ce point là. Ah, sniper. Ouais mais je vais snipe. Avec ta MP7. Ouais. Bon effectivement on joue avec des armes pas très catholiques on va dire. Bah il joue en seconde chance et insertion tactique. T'as les deux dans la petite maison, fais gaffe. GG. Ouais mais l'autre il va me tuer. T'inquiète, 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 j'arrive. Il a lancé une grenade, fais gaffe. Mec. Putain elle était loin. GG. Putain, même en seconde chance. T'as les deux plaques? Ouais. Ok. Bon ça va finalement, on a un petit coup de stress au début mais ça va. On mène assez, on va dire facilement. En grande, grande difficulté donc bon. Ah, sniper qui campe dans la maison qu'on adore. En haut, en bas. En haut. En haut. En bas. À droite. À gauche. Non, à droite. Non, à droite, à gauche. Ah non? Yep. Y a un mec qui est monté. Qui redescend. Joli. Oh merde. D'accord. GG, bah t'as toutes les plaques. Une plaque, deux plaques, trois plaques. Oh putain, le mec, en fait, c'est le mec qui joue en surarmement au sniper.
Non, non, il a des scorpions Akimbo. Ouais, ouais. Non, non, mais l'autre, il y en a un, il a une MP7 en sniper. Ce que je viens de tuer, au passage, petite veste pour la fin. GG. Élimination confirmée. Elles sont où les vestes? Dedans? Ah non, c'est le côté là. Putain, le mec, je suis campé au fond, tu sais. Pour changer. Galerie des campeurs. Oh le coup de couteau, vas-y dans seconde chance, hein, galerie des campeurs. Ah parfait, ça me fera mon cinquième kill. Bah ça fera même... Ah non mais il tire lance-patate alors. Peut-être qu'il a seconde chance, mais il a tout le temps son lance-patate. Ouais, bah vas-y. J'ai eu, vas-y, on tue le dernier, voilà. Ça, ça fait plus de frag. Putain, j'ai mon préda là, j'aurais pu m'envoyer. Donc on est à combien de victoires là du coup? 28. 28, donc plus de 2. Attention, personnellement... ceci est un noob. Personnellement, je reviens pose pipi et évite la R&D, enfin évite au bois, c'est bon. Élimination confirmée. Pas tout de suite. Putain, faut qu'il dépêche quand même. Le mec, il se pisse dessus. Non, enfin, pas techniquement, mais... Ah, j'ai débloqué le titre... Zod. Prestige 1 niveau 65. Ok, ok, ok. Ça fait plaisir. Attends. Dani, Vidi, Vici. Ok, ça reprend la phrase de Jules César et je sais plus c'est comment. J'ai vu, j'ai vaincu. Tout dans le genre. Vidi, 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 Vici. Bon, bah on a bientôt fini du coup. Eh, c'est quoi le truc de César? César? Oui, tu sais, Veni Vinidici ou un autre genre. Veni Vinidici, je crois. Alors là, tu m'en poses. Mais ben, il y a un mec qui fait pareil. David, Dani, donc c'est peut-être son nom. Veni Divici. C'est bizarre, mais je pense qu'il a voulu dire ça. En gros, il se prend pour César. Eh ben, César se fait... péter la rondelle. On est à combien là? 27 minutes. Moi je joue à l'UMP pour changer. Moi je garde la CR, il m'a réussi plutôt bien donc Bah en fait c'est que j'ai juste pas envie de monter la MP7 en noir donc... Bon moi ça me dérange pas. T'es. Enfin même si je compte avoir toutes les armes en noir. Si tu veux tu pourras prendre des gameplays, tu sais, faire un peu comme CROS quoi, la rouler vers là. Ouais mais je sais pas si c'est... Ouais. On va faire avoir des armes en noir sur un W3. Ouais c'est pas très difficile, tu m'en parti privé. Ouais. Pas faux. Il a. Juste là sur le côté. Comment la pré-shot, il a évoqué une chance. Le mec il est arrivé. Moi ouais, je lui gagne avec campeur. Ouais je pense de toute façon. Ah ouais. Attends, t'inquiète. Voilà. Mais l'autre il va middle. GG. Ça va aller au fond. Oui donc maintenant qu'on est à peu près les spawns, force de... Ouais pareil. Ah non ils vont sur le côté là. Si 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 au fond il y a un mec. Ouais ils vont sur la maison qu'on aime bien non? Non non il est descendu de la maison. Enfin personne. Ouais, là, toujours en bas, regarde. Ah oui. Voilà. Oui, ah vais. Ouais c'est bon, il est descendu. Donc là maintenant ça va être côté galerie qui vont spawn. Ouais, côté galerie d'ailleurs putain qu'il mitraille. Hein. On peut continuer à tirer. Hein. J'en ai un qui campe, moi. Ouais. Que je passe par derrière. Voilà. Bon bah GG. Hein. Ah l'autre par contre il est. Je l'ai. Dommage que tu s'en arrives un peu après. Tant pis. Ah mais au moins je suis arrivé. Putain, ils ont fait qu'un seul frag au total. Le mec c'est ce qu'il fait contre la vie, c'est moi. Non mais autre. Ouais. Ouais. Je suis pas mort une seule fois moi. J'ai des vestes. Ah. Ah, je pensais que c'était ta première mort là, quand j'ai entendu qu'il y avait... Ouais, putain, bien d'ailleurs, je suis rouge depuis... Bah oui, bah là, je crois que c'est ma première. Oh putain, j'en ai eu un, et le deuxième, je vois plus. Il est en haut. Ah merde, il m'a eu. Oh putain, bah il est aussi. Ça, il se fait plaisir. J'espère que tu as pas pété mes vestes. Non, il sait même pas ce que c'est, ça se trouve.
Je crois que c'est un élément du décor. Dis-moi que tu l'as. Ah, je sais pas, je le vois pas. Ah non, putain, j'ai perdu mon cadavre. Ah, ça arrive. Il a mon dessous. Putain, il me pète lui, mais là il est en train de m'enchaîner. Faut qu'il se calme. Ah, gros ennemi. On va prendre. J'ai pas le temps d'aller chercher les baisses, bordel. Tu peux me cover ou pas pendant que je prends les baisses? Pris. Ah, j'étais peut-être un peu mal placé, je pense. Tu les as perdus là ou pas? Non, tu n'as même pas mis une table. L'autre il plante. Ah bah putain, j'ai réussi à l'avoir, mais il plantait spawn domination A. Ok. Enfin, un gros point A quoi. Et c'est ça aussi, maintenant on peut se parler un peu plus vite, vu qu'on connaît les points. Donc par exemple, on dit A, on sait direct où c'est. Ouais, c'est vrai. On peut dire galerie, on sait où c'est. On peut dire tour, on sait où c'est. En fait, on s'est donné middle. Un peu des noms de code pour certains endroits. Genre, il y a tour, pour la tour qui est au fond, middle pour le milieu. Galerie des campeurs, galerie des glaces, ça dépend. Après il y a petite maison où il y a eu un troll, c'est là-bas maintenant, et puis il y a la grande allée, c'est tout au fond. Double headshot là, je suis en série de headshots. C'est une série de mauvais headshots. J'ai un truc à une tire-tête. Ah il m'a eu, bah venge-moi. Merci. Vengeance. Vengeance. Puis c'est quoi? Non. Ah oui, c'est dans l'âge de glace 3. D'accord. Wow, oh, j'ai pris une balle. C'est nana à vous. Nana à vous. Malheur à vous. Voilà. T'as des trucs, c'est des dodos. Je me rappelle, ça m'avait trop... Ah oui, gros. Oui, je me souviens. Ils font malheur à vous. Ah, c'est l'ancien temps. Je sais même plus s'il y a des nouveaux l'âge de glace. Je sais qu'il y en avait un avec des dinosaures. Je sais qu'il y avait eu un dinosaure avec le... Je crois que c'était le 3 avec les dinosaures. Non, pas ça. Si, si, il me semble qu'il y avait un 3 avec les dinosaures. Au pire, je suis pas vraiment un grand fan de l'âge de glace. Ouais, mais c'est ta jeunesse. Le 1 et 2, c'est ta jeunesse, normalement. J'en ai regardé un seul sur TF1 qui était passé il y a quoi, 4-5 mois. Ah non, moi, le dernier âge de glace... J'ai regardé ça avec ma cousine. Bah, c'était avec les dodos, justement. Ah bah ça c'est le 1 je crois, avec les pastèques. C'est où? Et pas des pastèques. Oui, il faut que tu transportes des pastèques. Oui, oui pour des bébés, oui. Enfin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça le... c'est le 1. C'est le 1? Le 2, je sais plus c'est quoi. Ah oui, c'est avec l'autre Naboot. Il y a un mammouth femelle. Ah, il y a Mani, non? Il s'appelle Mani, je crois, non? Ça c'est le gros, je crois. Et après, il y a la fille. Il y a des petits mammouths et il y a des gros mammouths? Bah non, mais après, il y a l'autre, il y a la fille. Ouais, tu... Trop loin pour moi là. Là c'est une 2. Une fille mammouth. Oh il m'a eu, dommage, il y a eu l'OHP. Ah oui le 2 c'est avec la fonte des glaces, voilà. Ah. C'est... On va pas connaître. Non mais j'aimais bien même j'étais petit, c'est ça. Il est bien fait. Ouais je sais mais moi j'ai jamais vraiment regardé. À chaque fois il a une bonne morale, il y a un sniper qui campe tour. Et moi, perso, à part petit ours brun quand j'étais petit je regardais rien. Hein. Si, Franklin, c'était connu. Ah ça. Moi c'est quand j'allais, avant d'aller à l'école. Ouais, il savait écouter deux par deux et là c'est juste aussi, Ah moi je regardais ça, je me souviens des fois ça m'arrivait de faire exprès de me réveiller tôt pour regarder des dessins animés. Enfin genre il y avait Dora l'exploratrice, tout ça, enfin Dora l'exploratrice j'aimais pas trop. Bien sûr il y a eu Pokémon. Ah non moi Pokémon j'étais pas fan, moi c'était Yu-Gi-Oh. Bah moi c'était les deux. J'étais accro à la télé au dessin animé, j'en étais petit. Oh pas moi. Ah oh bah dis donc, il campe dans son coin lui. Hein. Scorpion Akimbo, middle. Il a niqué son insertion, moi. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que là, on est plus du tout stressé. Là, on est bientôt à la victoire. Ouais, j'avoue. Puis... Oh. Même, on peut se détendre un peu, quoi. Ça fait du bien. Un kill et c'est la victoire. Ouais. Je l'ai fait au Magnum, mais elle fait la secondaire. Ah bah, c'est une dure. Non, attends. Elle fait la secondaire. Je suis super une M4-1, voilà. Avec leur propre arme. Parce qu'on a le temps. Hein. Ils sont qu'à 12 éliminations total. Je sais pas pourquoi mais je les vois bien tous les deux middle. C'est ce que je disais. Oh là 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 là. Je l'ai même pas eu. Ah bah à la flash. À la flash. On va pas être avec une cam. Attention, la grenade, la flash. Boum. Bonjour. Et tut. Il est en train de dire le connard. Il envoie un SMS. Papa viens chercher mon cadavre. S'il te plaît. Je t'aime.
Ah, j'ai du MP en rouge. Bon, bah si on gagne cette domination, si domination passe. Je fais une belle pourrie. T'as mal à la nuque? Non, du MP en rouge, c'est pas normal. Si tu suis à peu près la politique. Je vois pas trop le rouge en fait. Bah le rouge c'est le PS. Ah. Et avant je l'avais en bleu. Le bleu marine, bah c'est. Ah oui, oui, le bleu marine, ça, c'est MP. Non, c'est le Front National. Non. Non, le Front National c'est aussi bleu avec écrit FN en blanc, mais oui. UMP et le fond c'est bleu. Et le PS c'est blanc, mais il y a une fleur rouge dessus. Blanc avec une fleur rouge? Oui. On dirait un mauvais mélange de. Ah, et puis merde. What the fuck? What the fuck is that thing? Bon bah, domination contre DaVinci Code. Je vais l'appeler comme ça, et je te montre. Pourquoi je te montre? Parce que l'autre s'appelle The Monstre, ou un truc genre. THRE, The Monstre. What the fuck is that shit? Non, mais what the fuck is that thing, c'est quand il y a Pierce qui rencontre Oleg, ça. Je m'en souviens de tout ça. Qui rencontre qui? Oleg. Ah bon? Enfin, on a vu l'épisode il y a pas longtemps, mais j'ai pas fait gaffe en anglais. D'ailleurs, ça fait plaisir à une de nos abonnés qui est... apprécié le premier épisode, déjà. Non, mais en plus, c'est que... cet abonné est bilingue. Ah, mais... ça lui fait plaisir. Je ne savais pas. Je sais pas trop avec le rapport avec le fait qu'elle soit bilingue, en fait. Bah, parce que t'as le truc en anglais, donc comme ça, elle peut écouter. Oui. Et en plus, si elle a pas envie de se faire chier, bah... français, en écoutant nos voix de merde, avec les trois petits points, point d'exclamation. Les points, les trois petits points, les points d'exclamation. Il est où, il est où, il est où? Point d'exclamation, c'est utile ça, mais sinon, c'est moi, c'est... bah... c'est c'est quoi qui dit pour Pierce? Bah, on s'en fout de Pierce. Oui. Et bah, on s'en fout de Pierce. Dans le prédat. Vas-y. Joli. Même avec son truc anti-explosion, il va pas résister à un prédat non plus. J'ai l'hélico. Oui, j'envoie déjà l'hélico. Je sais pas quoi faire. Mais ils savent qu'on fait une tentative nuque ou quoi, c'est en face. Tu les as payés combien, Chris? 400. D'accord. Bon, je rajouterai un petit peu. Putain, mon hélico il me pique des frailles. C'est pas logique. Je trouve ça sympa, j'arrive à reprendre tous les pseudos de tous ceux qui ont joué fair play là, et mettre merci à la fin de la vidéo. Putain. Ah c'est vrai, il y en aura pas énormément, mais... ouais, mais bon, il y en a eu. Mais bon, bah, faudrait que je prenne le temps de faire ça. Perso, celui qui a joué le plus fair play. Je l'ai demandé en ami, c'était les deux petits là, les... ah oui, du... ouais, mais c'était l'ancienne vidéo, c'était... ouais. Mais franchement, tellement ils ont été fair play, je les ai demandé en ami. Ils t'ont accepté? Oui, oui, là, ils m'ont accepté vu que je viens de voir qu'il est en ligne. C'est pour ça que j'ai pensé tout à l'heure. Ah, ils jouent en seconde chance. Eux aussi, ça va, ils sont fair play quand même. Hein. Oui. À part le petit seconde chance qui fait un peu chier, mais bon, sinon, ça va. Bon, oh, ça va. Je fais du 8-0, tu fais du 8-2. On démonte. Ah là, je suis Fais gaffe, il y a une insertion tactique là, juste à côté de notre point C. Ah j'avais pas vu, à côté du mur. Du muret. Elle est pas sur 6, normal. Si, il s'est mis derrière en fait. Ah, il essaye de nous avoir. Ah, attends, j'envoie le prédat une deuxième fois, je suis en cycle. Je suis à 11 d'affilée. Missile Predator allié en approche. Joli, joli. Regarde, elle est là, l'insertion tactique. C'est pas beau. Bon, après, chacun son style. Quoi. C'est juste que... c'est qui a fait le mauvais du C4? Moi. J'utilise du C4. Oh putain, c'est quoi cette explosion? Oh merde!
c'était mon C4, mais bon. Il y en a un en seconde chance. Où ça? Mort. Laissez-moi s'il te plaît. Non. Putain, j'étais à un de mon hélico. Ah, désolé. Bah, j'étais en série, quoi. En grosse série. Comme ça. Oui, maintenant il aide même les adversaires, comme il est pitié. Une fois que j'envoie des hélicos. Oh putain, je vois plus rien. On doit enlever les tunnels électriques. Enfin, ils nous auront pas mal sauvé les kistriques, hein. Ouais, surtout les vestes balistiques et les drones. Et les drones à mon avis. Les drones qu'on a pu envoyer, puis les petites vestes balistiques contre les snipers, c'était toujours bien sympa. Après tes prédateurs, tout ça, bon, c'était vraiment que du bonus sans MME, tout ça, ça nous a... ça aide bien aussi. Joli. Oui, je préchotais le mec qui était derrière. Bon, bah on a fait la nuque là. Non, 29 il me semble. Bah regarde au cas où. Oui, il doit se dire putain, mais les mecs ils sont en train de se faire chier, le nucléaire. Classement, victoire, on est à 30. Bon bah voilà. Ok. Bon bah tu peux sortir d'ici du coup. Hein. Non, non, moi non, je vais marquer nuque déjà. Ah oui. Donc bon bah. Tu vas pas marquer. Oui. Donc ben nous avons fait une nucléaire de victoire, hein, je rappelle pour ceux qui n'ont pas entendu, qui se souviennent plus, c'est 30... Enfin, en fait une nucléaire sur Black Ops 2 c'est 30 éliminations d'affilée, donc là nous avons fait 30 victoires d'affilée. C'est pas mal. Putain qu'on arrive à bien gérer quand même, parce qu'au final, la fin même pas stressé, rien, rien du tout. Tu peux arrêter ici. Pourquoi? Bah parce que on a fait la nuque et on va peut-être faire un bonus pour les modes invincibles. Les modes invincibles? Bah oui, invincible c'est à chaque fois que tu fais une partie, on a un invincible. Ah ouais. Donc voilà. Donc en tout cas, pardon. Il faut savoir que. J'espère que bah, vous aimez bien la confrontation. Hein. Surtout que là, putain, on gère vraiment pas mal. Donc au final. Eh ben on va continuer, hein, l'épisode 2 de la confrontation n'est toujours pas fini, je sais pas jusqu'où il ira, mais c'est la magie de la confrontation. Allez, donc bah, du coup, vous allez avoir une autre partie derrière, mais nous, on va aller se coucher. Non, j'ai pas envie d'aller me coucher pour le moment. Bon, bah... Je pense que je vais peut-être faire une petite série encore. Mais, ah, tu veux encore continuer finalement? Ouais, mais genre juste un petit bonus. C'est-à-dire un petit bonus? Genre là, chou patate, on va dans un mode comme ça. Bah non, ça, sinon ça va pas être la série de victoire. Ah ouais. Bah non, on peut aller commenter un bétrole. Non mais c'est pour ça là pour l'instant faut que vous jouez en confrontation parce que sinon ça va pas être la série de victoire et moi j'ai pas envie de compter toutes les victoires à chaque fois. Donc bref. Bon, bah, par contre je sens que demain matin on va pas être chaud. Pourquoi? Bah. On va ça se trouve on va se faire péter direct vu que moi quand je suis sur un call-off une première partie. Mais t'inquiète pas. Je suis pas chaud du tout. T'inquiète donc pas. Vas-y, j'en fais une petite dernière. Juste une partie, histoire de faire invincible. Vas-y. Pour me coucher tranquille. T'imagines si on perd sur celle-là? Je crois que je le couperai. Ah, ils vont encender déjà. Déjà, ils ont pas le radar portatif. Donc c'est un joueur qui a payé le Call of Duty Elite. Alors juste pour comme ça, en titre, on peut mettre x1. Bah non, c'est si on a le truc. Oui, si on gagne, bien évidemment. Je dis ça, c'est pour moi. Non, mais c'est une évidence pour moi, Dianis. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que là, je crois plus trop à la défaite. Enfin, en même temps, je l'ai pas connu depuis un moment, maintenant. Franchement, ça va me faire bizarre de voir en rouge. Ah ouais, défaite. Putain, défaite, je sais même plus de comment ça s'écrit, maintenant. Je vais faire des fautes. Le accent grave. D-F-R-D-E espace F-A-I-T-E-S comme le verbe fait, c'est ça? Enfin, comme fait. Le verbe faire conjugué, non? Comme défaire un AC. Défaire, fait, ou F-E, accent circonflexe. J'en ai trouvé un, il joue au sniper. Défaite. On aurait peut-être dû jouer au sniper. Tu as tué?
C'est pas beau. À quoi? Il joue au Colt Anna quand même. Colt Python. Non mais en fait je préfère jouer à ce banner parce que c'est des mecs... En écran. Ah voilà, non mais ce qui me déçoit c'est les snipers. Il joue à serre. Ah bon? Ah bon, je vais ressortir un... Ah merde, j'ai pris... j'ai pris un MSR. Ah serre. Je sais même pas si je l'ai... Je suis niveau combien? 65, bah j'ai pas encore les MSR. Effectivement non. Au-dessus de toi. J'étais safe. Oui non en fait je l'ai vu au-dessus, c'est pour ça que je m'avançais pas trop sur l'autre. Okay. Ah, galerie des campeurs. Il est garé des campeurs. Non, derrière toi. Putain. Si tu me les donnes, ça va aller plus vite hein. En fait je les mets en low HP et je suis fini. Oh putain il m'a tué l'autre middle. Ah bah attends c'est bien, j'arrive derrière. Attends, petit C4 double. Ah non, pas de. Je sais pas où il est. Non, l'autre il est sur le côté, il vient de descendre, il vient de tomber. Il va revenir vers toi. On peut pas les prendre. Oh merde, je les ai bugués. Il vient de disparaître. Ouais, je viens de les détruire. Merde. Tu l'es l'autre? Ah bah il y a un mec en dessous. Ah merde j'avais pas vu. Bon c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oula. Donc. Il est en haut je crois non. GG. Moi j'ai récupéré leurs armes quoi. Non bah tu vois si on gagne je pense que ça va être bon. Hein. Non mais demain je pense que ça va être bon mais il faudra peut-être faire gaffe du coup sur les parties, je pense qu'il faudrait commencer par un écran scindé et puis... Tu as les deux? Non, j'en ai un. Partage. Il rachète pas n'empêche les écrans scindés, hein. Ils sont sympas. Hein. Ouais. Oh, il aurait pu me tuer en plus. Si, il aurait continué à tirer n'importe comment, ça... Ah bah voilà. Non, 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 j'ai rien à dire. C'est finisé d'attendre. Mais regarde, j'ai récupéré leurs armes. Perso, je ramasse une P90. Bon bah voilà, une invincible. Ah non, 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 non. Enfin, de toute façon, ils sont bien, bien désavantagés. C'est encore un écran sans vue. Oui, puis même. 3, 2, 1. Non, c'est bon. Donc tu vas là. Non, non, reste bien au fond comme ça, il respawn là-bas. Non. Ouais, bah, faudrait qu'il spawn un jour aussi. Bon. Ah si si, ça arrive. J'ai vu un petit nom rouge qui arrive vers la galerie des campeurs. Derrière toi. Ok. Ah oui. GG. Cobra allié en approche. Bon. Ça, c'est ça. Donc là vous voyez quand même que la partie bah, elle se fait. Petite maison. Maison troll. La troll house. Après la Swedish House Mafia. Bah. Ah la Swedish House Mafia. Moi c'était Don't You Worry Child que j'adore. Je ne vais pas chanter parce que je m'ai interdit. Oui mais en fait c'est qualité. The Voice sans de retour de voix. Je te connais. Qualité très médiocre, vous voyez, c'est le 144p de YouTube. D'ailleurs, j'ai eu peur, je croyais que mon premier épisode de Saints Row, j'avais upload en 360p. En fait, non, j'ai vu que le 720 était dispo, donc... Ils jouent au radar, ils arrivent même pas à me tuer. Non mais allô, quoi. Oh non, mon hélico est en train de lui tirer dessus, c'est méchant, tu lui as piqué le kill. Excuse-moi, pilote de l'hélicoptère, attends, t'es où? Coucou, désolé. Ah mais il est quand même en train de me... Bah tu vois, il a accepté, il a... Ah, mais... Encore bon. Bon bah double forfait en plus. Attends. On sait jamais, moi personnellement je prépare les explosifs. Hein. J'ai quoi en secondaire? Ok, je prends un ACR encore. Non, bon, bah, non là. C'est pas sérieux là. En voulant recharger, j'ai... Pourquoi j'étais posé ça, sérieux? Pourquoi j'étais posé ça? Mais c'est le con, mais... Oh mais je suis con.
Travail d'équipe, gagner 15 matchs à mort par équipe. Je vois étoile. Parce que j'ai pas encore débloqué le défi. Moi je l'ai fini, je crois. Le défi se débloque niveau 65 et je l'ai eu niveau 65. C'est faire un ratio de 5. Bah du coup c'est bon, tu peux quitter. Donc voilà pour ce qui était du coup de la première partie. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, là on peut mettre x1. Putain. Non, x petit, c'est un fois. Ok. Là ça fait x1, ça fait genre Team Sniper Gogol. XX. XX1. Non mais... Parce que j'arrive pas à y mettre avant, il y a le premier pseudo. Bah tu fais le truc plus petit que. Plus petit que XX égal. Non, XX... XX, quelque chose XX, ça veut dire petit que... Tu veux pas mettre X1? Non, mais en fait, c'est que j'ai un petit lag du clavier. Voilà. Bon, bah moi du coup, je vous dis... Oh putain, 50 minutes. Moi du coup, je vous dis à la prochaine. Enfin, à la prochaine. Bah, à tout de suite, au final. Mot de la fin, Chris. x1. Eh bien, invincible. Et bonne nuit. Ça. Putain, il est 1h. À tout de suite, tout le monde. Tout de suite, non, je dors. Salut à toutes et à tous, c'est Doublé Chris et on se retrouve encore une fois pour un épisode 2 qui va durer. Non, c'est... C'est... Non mais pour eux ça, c'est la deuxième partie, tu sais, même si pour nous c'est le jour d'après. Ouais mais voilà, ouais. C'est quand même l'épisode 2. Nous comprendre, on vient de se réveiller, lui vient de se réveiller. Perso, pour ma part, je pense qu'on va peut-être perdre. Je vais garder les classes de la dernière fois. Bon. Ouais, tu sais, ça fait combien de fois qu'on dit ouais, on va peut-être perdre. Non, mais c'est parce qu'on était chaud, donc ça allait. Donc là, je suis quand même de me lever, hein. Ça fait 20 minutes que je suis levé. Ouais, c'est bon, ouais. Domination sur érosion, ouais, ça fait pas de mal ça. Non, par contre aussi, il faudrait que je vérifie bien sur la vidéo des confrontations pour voir s'ils y sont toutes en vidéo, parce que, à mon avis, on n'a pas les 25. Ouais, vu que j'ai compté dans le studio et c'est bug, vous savez qu'on a 35 défilés et que ouais. Ça a été compté la défaite où on est rentré, qu'on avait perdu direct. Ouais voilà. Alors je peux te dire que c'est un joueur MP7. Objectif. C'est un joueur objectif contre nous. Okay. Vu qu'il a fait 1176 éliminations pour 649 captures. Donc c'est énorme. Ouais. Donc pour te dire, moi qui suis joueur objectif, j'ai fait 1491 éliminations pour 282 captures. Bon. Et ça veut dire qu'il joue 3 fois plus objectif que toi. Ou tu votes domination. Hein. Moi je suis jamais l'objectif, c'est pas étonnant. Puis j'ai vraiment en domination, je vais surtout en ZL. Donc... Oui, je joue quasiment un peu plus de 2 fois plus objectif que moi, imagine. C'est chaud, hein, je suis un joueur objectif, même si je m'accorde quelques faveurs en jouant le kill. Ah. S50. Faux amis. Ça va, il y a les copies sur moi, putain. si on gagne, on met faux. Mais c'est chiant qu'il n'y ait pas eu de titre comme ça, genre Moab de coopération ou... Non mais c'est vrai que à partir d'une certaine 7 victoires on aurait pu obtenir un titre. Mais bon aussi haute je pense pas que voilà. A mon avis la plus haute ça aurait été 10. Enfin le titre ça aurait été à mon avis 10. Bon non. Il peut y avoir des trucs chauds. Il n'y a pas un titre Moab, ça par contre je trouve ça trop bon. Non mais par contre t'as des défis. Ah bon Envoyer nanana de Moab c'est ça. Ouais. T'as demandé 2 bombes nucléaires, demandé 15 bombes nucléaires, puis je sais pas combien il y en a. On sécurise. Mais je suis pas objectif. Ah, et il joue assassin surtout. Ah non. Il joue pas l'objectif. Si. RSASS. Ok. Heureusement que j'ai pas pris les snakes, moi. Ah, middle sur B. L'autre, il va arriver là. Oula. Là, derrière, merde, mais c'est dur. J'arrive sur C. Bonjour. Comment il m'a allumé? TP90, ça m'a tiré rapide. Ah ouais. Sur les armes que tu veux. TP90, ça m'a tiré rapide et RSSS. Perso, la serre, ça me suffit. Yes, tu es. Retourne au spawn, toi. Bon, du coup, maintenant, ils sont passés en affaire. Ouais, derrière moi. Ah bah oui, ça se vide vite tes balles. Ah merde, il m'a eu. Fais gaffe, c'est un Mark 14 au bout.
du radar portatif aussi. Bah tant mieux. Moi aussi je l'ai donc ça me dérange pas. Et... Ouais, ils vont se calmer mais ils vont pas me rusher là. Ah bah non, il campe, il a pied 97-1 en head glitch. Ah ouais d'accord, je savais pas s'il était devant ou derrière en fait. Ah c'est derrière. Je peux manger un peu. Je vais même pas essayer. 16-12. Franchement là on est tombé contre des bons gros noobs hein. Waouh. 8-16-12 le P97-1, fonce vite sur C. Ouais. Bah percé, on est mort. Putain mais y'a l'autre, il est toujours en train de camper avec sa P97-1 hein. Ah il prend pas du tout les objectifs attends. M'en fous, j'ai eu le mec sur objectif. Je l'ai eu l'autre avec sa PP. Voilà, se calmer là. Oh mais il est pète couille, il marque 14 encore. Fais gaffe. Oh là 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 là. Un peu dur mais je joue pas l'objectif donc à la limite ça me dérange pas. Hein. Bonjour. Ah. Oh putain comment il a volé. Ah ils vont jouer A. Ah. Oh putain il me défonce avec son marque. Ah bah moi il me défonce avec sa PP 97 main surchuté. Oh, oh là 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 là. PP 97 hein. Encore PP 97 hein. Si on prend pas le point on a perdu. Ah j'ai reçu, je sais. Histoire de faire stresser un peu. Oh mais putain mais ils sont pas couilles surtout. On sécurise Alpha. Ah c'est sur A. Ouais, j'ai fait la double. GG. Je vais crever. Yes. Les vestes, tiens. Je les pose là. T'aurais dû les mettre dans cet angle là. Pas grave. Là, s'il arrive sur A. Je l'ai eu. Ouais, ah putain, l'autre il m'a eu. Fais gaffe, tu joues sur A. Défonce-le. GG. Ils arrivent beaucoup sur A. T'as payé 97 ans. Oh là là, il m'a eu. Sur A dans l'angle. Joli. Je reprends une petite veste. Là tu vas arriver là. Ah non. Putain. Ça a pas marché, il s'y prend aucune balle le mec. Waouh. Là GG. Ça va pas faire chier mon coéquipier bordel de merde. Et ouais ton radar portatif, ça marche pas contre moi. Oh non mais attends je tire dessus en plus hein. Elle va sortir. Je m'en charge de l'autre qui arrive sur... Eh ben il m'a eu sur C. GG, vas-y vite, faut qu'on prenne C. Ça va arriver sur le côté. Forcément. Veste balistique déjà. D'accord. Ok, super fort le mec. Il y en a un qui monte les escaliers je crois. C'est comme votre bataille d'handicapé là. Je sais pas. Bon bah voilà, victoire, hein. C'est... Ça fait plaisir pour le début. J'avoue, au moins ça va. Pourtant ils ont bien essayé de se défendre, on a réussi à aider l'un quand même, ça va. Mission accomplie, beau travail. Oh, oh là là, quelle belle partie, ça campe bien. Ça campe bien, hein, bah dis donc. Bah excuse-moi, on joue l'objectif. Sur A ou sur C? Bah je... On défend nos objectifs, ils sont cons. On campe sur A et sur C. Non mais alors ça c'est ce qu'on appelle être con quand même. Vous êtes conscient que là, je vous l'ai expliqué, notre technique c'est de protéger A et C. Bah vas-y. Mais non mais en plus regarde Benolive. Ah non, booster, donc prestige 20 de MW3, prestige 15 de Black Ops 5, prestige. Voilà, prestige mec sur tous les jeux. Top 4. Là, par contre. Enfin, si c'est possible, je veux dire, mais alors c'est un... Ouais, c'est un putain de règle, là. Non, mais t'as vu son âge. Érosion, on fait ça, érosion. Ah merde, attends, mais il est 2 en table de plan, du coup. Non, mais ils vont jouer à la PP97, moi je quitte, hein. Ouais, ouais. J'aime pas jouer des putes. Mais x2, en fait. Ça va, érosion, même... Si on est bas, c'est x3. Hein. Ah, si tu veux. Si tu veux, ça nous fera plaisir. Par contre, s'il y en a un ou deux qui joue pas sniper, UMP. MP7 ou UMP. UMP.
LW Sniper. Oui, bah c'est bon. LW compris. Sniper, non, c'est LW Striker. Ouais, c'est loupé. Il a le hockey ou il jouit ou je sais pas. J'entends rien. T'imagines si je monte derrière le barrette en or en confrontation en série de son. C'est une malade. D'habitude j'aime pas les snipers mais bon là je commence à prendre un peu de plaisir. Enfin en confrontation ça va. Ça... Ils sont nuls. Un peu, ils essayent surtout de jouer avec le décor. Mais ils font des glitchs. Non, ils s'allongent derrière des rambardes. Aussi ils font des glitchs. Ouais. Non mais c'est ce que je vois parce que là t'es à ton deuxième headshot donc là j'ai un peu... C'est pas trop chaud des fois. Merde, j'ai un radar portatif sur ma gueule. Putain, il joue radar portatif MSR, il va le récupérer son radar, il va le lancer vers le milieu. Putain, je pars un peu vite là, je viens de me lever. Mais comme pas, je me suis allongé, ça fait un drop shot. Mais comme pas. Mais si, je peux le faire. Ah merde, mais... C'est fou de ma gueule là. Le radar portatif, désolé, mais c'est pas un accessoire de camp ça. Non mais allô. Oh, je veux dire qu'il y en a qui est middle, milieu. Enfin, middle en haut, je veux dire. Mais middle, couteau. Milieu, c'est con. Eh, j'ai la tour anti-sniper. Oh yes, le Saint Graal est là. Attention, ça arrive. Ça arrivait. Ouais, je vais pouvoir aller rusher vu que... J'hardscope, vous êtes conscient, j'ai hardscopé là. J'ai vachement anti-pop. C'est quoi avec les scorpions toi? Et moi si je tire un oscope c'est un hardscope ou pas? Le mec qui sort les scorpions en Akimbo tu sais. Non le mec qui sort les C4 aussi. Et il campe dans un coin. Et après c'est eux qui disent qu'on campe, t'sais. On est les premiers à bouger partout et tout mais bon. Bah au pire de toute façon vous voyez qu'on campe pas nous parce que vous devez souvent voir nos flèches bouger. Ah veste balistique détruite. Ça campe au fond. Ok attends vas-y. Joli. L'autre il est là-bas mais en haut. Donc nous campons hein. Nous campons alors c'est eux qui sont en haut, milieu. Galerie des campeurs. Aussi. Il y en a un au-dessus ou pas? Je sais pas, l'autre il arrive. Attends, il est là. Marqueur. Ah l'autre il est anglais. Voilà, avec les couilles. Ouais il est sorti C4 lui sinon qu'il te plaît. J'ai reposé le Saint Graal. En fait on renomme tous les trucs, hélicoptère de tourisme, tour opérateur, Saint Graal. Ah tu pensais m'avoir avec ton vieux C4 mais j'ai les vestes balistiques. Dernière bataille. Joli. Pas se foutre de la gueule de mes adversaires. Mecs sont quand même C4, dernière bataille, sniper. Ah il est en train de pleurer, le pire c'est que je lui ai mis un oscope. Oh il campe au fond. Ok. MSR capteur cardiaque, ça va pas trop double. Radar portatif MSR capteur cardiaque et couteau de lancer ou C4, je ne sais pas. Je crois qu'il y en a un couteau et un C4. Vous êtes sérieux là? Vous voyez où est-ce qu'ils sont quand même et après c'est eux qui disent qu'on campe. Hein. Je trouve ça formidable les gens comme ça. Regardez, il est là. Derrière toi. Tu l'as eu? Ouais. Oh, voilà. C'est lui qui dit qu'on campe. Ça monte au-dessus, je pense. Bah, comme d'habitude. Hein. Ça va pas monter en dessous, de toute façon. C'est quoi, le char? Ah non, c'est un... Ah non, oh, il est descendu. Hein, oh mon dieu. Il avance. Ah, il a trouvé son joystick gauche dans... Le mec, il est allongé par terre. Quand même. Fais gaffe. Ah, merde. Mais putain, arrête. Eh, mais le mec, il est dans tous les angles. Il me dit pas qu'il rechargeait, il rechargeait même pas. Ah si. Mais il a rechargé peut-être 3 heures après. Ah merde, j'ai pas réussi à l'avoir. Mec, il se met dans un angle, il tire une autre balle, il recharge. Oh, il y en a un au-dessus, un en dessous. L'autre, il réagit pas, celui qui monte en haut. Hein. Là, mais aucune réaction. Le mec, je tue son pote qui était devant lui. J'ai l'impression de jouer à des modes solo buggy, tu sais.
Non, mais en fait, ce qu'ils t'ont pas dit, c'est qu'ils jouent avec le son de la télé en mute et qu'ils jouent sur un écran de 20 cm catholique. Au-dessus. Putain, enfoiré. Ah, il m'a eu. GG. C'est le mec au-dessus qui t'a eu? Ouais, le mec, bah, tu voulais tout tranquille. Là. Et voilà, c'est 4 et le mec campé en haut, je l'ai entendu tomber. Mais oui, maintenant le mec qui hardscope. Oh là 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 là, le mec qui est au fond là. Vas-y, tu peux. Non, il est parti vers là-bas. En haut. Mais il est pas sérieux, lui, il commence à me faire péter un câble. Je lui ai envoyé un CK dans la gueule pour la fin parce que. Oh, mais les deux ils sont en haut. Hein. MSR, capteur cardiaque. Et le pire c'est qu'après, selon eux, c'est nous qui jouons le plus noob. C'est nous qui jouons le plus noob. Enfoiré là, oui il est le radar portatif, je bon, préfère bien mitrailler. Bon, enfin le fait de camper. Et voilà, le mec est dans le bâtiment là. Alors t'es prêt? Ah dommage. J'avais un fail, ouais je suis prêt. Peut-être t'as arrêté de temps en temps de dire qu'on campe, ok? C'était qui? J'étais dans le coin. C'est moi qui campe. Vas-y donc. On peut mettre x3. Ils sont incroyables quand même. Je viens de croire en fait que c'est notre série x2, x3. Ah non, on est déjà beaucoup plus là, c'est plutôt x33 on pourrait mettre. Je sais. Oh, enfin ça va encore camper hein. Là, moi je joue au sniper mais il s'y continue à camper. Ouais, si ça campe trop direct, on arrête. Hein. Non, non, je peux arrêter. Je sors les armes cheatées. Enfin oui, non mais je veux dire on arrête le sniper. Ah oui. Enfin on sort pas le sniper, le sniper. On sort autre chose. On va sortir un gros canon. On va sortir le javelin. Ah attends, il vient de m'envoyer un message. Sale. Alors campeur, ça va être quoi? Sale campeur, fils de... Arrête les vestes. Arrête les vestes, bah t'as qu'à savoir jouer, vise les têtes. Hein. T'auras pas dit de marqueur. Hein. Tu vois, arrête la camp. Tu lui dis, tu le connais par cœur le bâtiment du milieu. Élimination confirmée. Je suis désolé, mais on a pas un qui strict comme les autres, on n'y peut rien si vous ne vous shootez plus. Je préfère que j'envoie le mastodonte peut-être, comme ça il pourra encore plus être marqueur. Hein. Et voilà, c'est hardscope au fond de map, ok. Bon, à la limite c'est un pré-shot, c'est... Je sais pas pourquoi, je sens que je vais voir une tête en haut. Je sais pas pourquoi. Là. Boum. Oh, il a changé d'angle, il a un angle extérieur. Ils savent que c'est de l'OC au moins qu'il faudra un jour récupérer les trucs ou pas, parce que... Je sais pas, faudra peut-être leur expliquer quand même qu'en OC il faut un peu bouger. Malgré le fait qu'on se tue en général à longue distance. Oh, joli. Luxus Chico, ça va, mais c'est l'autre, là, extrême machin chose. C'est lui qui m'a dit arrêter les... Oui, bah ça j'imagine, hein. L'autre, il est pas français. Il est où, lui? Ah, mais non, il est là-bas. Ah, ouais. Radar portatif, je suis en plein sur un radar portatif ennemi. Oh, bah, il m'a vu. Oh, il campe au milieu, là. Vas-y, tu peux le tuer, s'il te plaît. Merci. Putain, mais il est con, lui. Le mec, je lui tire 3 balles dessus, il réagit toujours pas. L'américain, il a mais aucune réaction. Oh, dans la petite maison, il a hardscope au MSR. Et après, c'est lui qui dit qu'il faut qu'on arrête de jouer. Oh là là. J'avoue, c'est lui qui dit qu'il faut qu'on arrête de jouer avec les vestes. Non mais ce gars, quand même, hein, c'est le pro de la détection, on va l'appeler. Hein, parce que radar portatif et capteur cardiaque, quand même, il a besoin des deux pour voir. Hein. Enfin bon, pire, c'est le capteur cardiaque. Je l'ai dit, juste sur un écran 20 cm catholique. Ah mais assez, en fait assez grand pour voir le capteur cardiaque, il en est. En fait son écran c'est le capteur cardiaque. Putain non mais le mec il est allongé middle en hardscope.
Oh là 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 là. Non non mais va plus vers Needle. Bah ouais, mais faudra aller récupérer les plaques un jour. Hein. Bah ouais. Tout au fond de la map, j'en ai eu un. Non mais il est encore allongé middle, le mec il joue que le kill, il joue veste balistique en plus. Hein. Bah ça m'étonne pas. Hein. Fais gaffe, il a un radar portatif posé là. Là il y a un radar. On m'en fout, ça me fait booster mes points en récupérant la plaque. Puis on est repassé devant donc. Ah merde, il m'a eu, il était tout au fond. Fais gaffe, ma plaque. Il est au-dessus, putain. Allez, c'est parti, je prépare ma petite classe. Je pense qu'on va vite changer d'arme, non? T'es prêt? On est plus en tête. Ah bah oui, Scorpion et Kimbo qui jouent maintenant. Allez, regarde, tu vois, je suis sur ton radar, là. Oh, tu me pré-shot. Oh, 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 bah, attention, maintiens les grenades. On jette. Oh, hit marker, c'est bizarre. Ça me choque de faire un hit marker en plein milieu. Il s'y attendait pas. Je balance une flèche. Mais il est pète-couille, ce gars, il est pète-couille. Oh, regardez-moi ça. Et voilà, il est au-dessus, vas-y. Sors l'arme, on a perdu sinon. Il est en dessous dans un angle, allongé. Vas-y, je suis en dopage là, c'est la première fois que ça m'arrive dans une série. Et voilà, maintenant il campe au-dessus, c'est reparti. Ils sont affreux ces gars. Mais sors les armes, tu dis. Ah, c'est déjà sorti les armes, t'inquiète. Hein. Mais là on peut y aller au corps à corps là maintenant. Voilà. On pète les couilles. Oh mais ça me saoule ces spawns là, à la con. Tu l'as eu? Non. Il vient de balancer son radar. Il est dans un angle avec des scorpions Kimbo. Tu sais, ça m'étonne vraiment qu'il soit dans un angle. Putain, la magade maintenant, je me fais démonter. Le mec, il a pas de me tuer allongé. Je vais lui envoyer un message, moi. Ah, derrière, 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 il y a un P45. Extrême, machin, chose de merde. Bah non, fusil à pompe qui compte. Fais gaffe, il arrive sur le côté. Oh là 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 là, c'est affreux, c'est affreux. Faut bien que tu récupères les plaques. Hein. Eh non, il y a une pédance en angle encore une fois. Oh non, mais arrête, on va pas perdre contre des gars comme ça, on va pas perdre contre des gars. Putain, on va arrêter, arrête. Joli, joli. Mais il me saoule avec ses scorpions, fais gaffe, il est dans un angle. Dès que tu rentres, c'est à droite. Je suis plus au milieu, non, mais je suis plus au milieu. Je fais les bords de map, comme avant. Mais c'est abusé, vas-y. Non, mais c'est mort, on campe, hein. C'est mort, on va faire comme eux. Va plus au milieu, c'est affreux. Hein. Je vais prendre point A. On récupère ma plaque, s'il te plaît. Fais gaffe, ça monte pour aller vers l'escalier. Là, fais gaffe, j'arrive. Joli. Comme par hasard, il y en a un milieu. Hein. Toi, il lâche pas son milieu, donc... Regarde-moi ça. S'il joue le temps, on est dans la merde. Hein. Et merde. Ceux qui ont pas bougé. Hein. Non, mais ils vont vraiment pas bouger. Non, 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 pas... bah. Attends, il bouge, il bouge, il bouge. Non. Pas paye tes mouvements. Si, si, il y en a un peu plus. En bas. Avec des vestes, très low HP. Il n'y a plus ses vestes. Il vient de passer Gary des campeurs. Là, il y en a un autre aussi, j'ai touché avec lui. Non, mais il est pas sérieux, lui. Eh, hey, mais le extrême Ishadiz, il me les pète. Bon, on va midi à le camper. Non, mais il y a leur radar portatif, ça sert à rien. C'est sur leur radar là. Là les deux meurent. Ils sont tous les deux à la rue. Ouais, il y a des campeurs.
Là on est dans la merde là pour gagner. T'inquiète, j'essaie de remonter moi. Faut que je m'entraîne. Oh. Ah, Cup Gallery. GG. Ah putain, il y a l'autre. Et il a récupéré les blagues tous. Le HP, en diable. Plus. Va récupérer les deux plaques, va récupérer les deux plaques au milieu. Il y en a qu'une. Non, il y en a une autre à moi sur le côté. Pour avoir un point. Non, mais je suis mort. Non, je vais les récupérer. Et putain, mais quand pour encore ce con en haut. Descends. Il y en a qui te poursuivent. Là, spawner des. Oh là là, mais hey, ils font chier sérieusement. T'inquiète, camp maintenant. Ouais, t'inquiète. Voilà, médaille victoire. Oh putain. Pour changer. Il y en a un au-dessus, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on voit ses déplacements. Quel déplacement de fou. Oh, je te rush. Ouais, il y en a un qui me rush. Ah bah oui, quand on va rusher, mais élimination confirmée. Ah merde, il m'a eu. Faut grave qu'on joue le temps là. Non mais il est dans un angle. Fais gaffe. Merde. Non.